Quel réconfort, Madame Bonheur. C'était un matin enneigé au pays des bonhommes. Tout le monde avait froid et personne ne souriait. Tout le monde était triste. Enfin, presque tout le monde. Je dois vite remonter le moral de tous ces gens. Madame Bonheur se dépêcha d'aller ouvrir au facteur. Bien le bonjour, monsieur Timbre. Oh, bonjour, madame Bonheur. Ce n'est pas grave. Bientôt, le printemps sera de retour et le soleil vous réchauffera. Oui, vivement, le retour du printemps, madame Bonheur. Le soleil va bientôt nous réchauffer et il fera beau. Chemin faisant, madame Bonheur rencontra monsieur inquiet. Que va-t-il se passer si la neige ne fond pas? Oh, il se mettrait à neiger encore plus fort. Oh, je ne pourrai plus sortir de la maison. Ne vous inquiétez pas, monsieur inquiet. Prenez ce traîneau. Excellente idée, madame Bonheur. Mais j'y pense. Oh, que m'arrivera-t-il si la neige fond? Si la neige se met à fondre, ma maison sera inondée. Mes provisions seront fichues. Si votre maison est inondée, monsieur Glouton, vous pourrez pêcher dans la cuisine et vous mangerez beaucoup de poissons avec des frites. Oh, des frites et du poisson, c'est mon plat préféré, madame Bonheur. J'adore ça. Oh, très cher. Regardez ce qui arrive à mon beau chapeau. Madame Bonheur rassura madame Beauté en lui disant que ses petits glaçons allaient à ravir avec son chapeau. Elle dit également à madame Proprette qu'il était inutile de repasser la neige, qu'elle recouvrirait tout uniformément. À l'heure du déjeuner, madame Bonheur avait rassuré tant de monde qu'elle se sentit soudain très fatiguée. Oh, oh, j'en suis qu'à la moitié de cette journée. Il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider. Monsieur Chatouille, coucou, monsieur Chatouille. Oh, laissez-moi, je ne chatouillerai personne aujourd'hui. S'il vous plaît, monsieur Chatouille, j'ai besoin de votre aide. Oh! Il la laissa entrer et elle lui dévoila son plan. Monsieur Chatouille accepta la proposition de madame Bonheur et ils se retrouvèrent tous les deux sur le toit. Droit devant, direction l'arrêt de bus, monsieur Chatouille. Direction l'arrêt de bus, madame Bonheur. Un petit sourire, ce n'est rien qu'un tout petit peu de neige, mes chers amis. Ben oui, elle a raison, mes amis. Ce n'est rien qu'un petit peu de neige. C'est vrai, c'est plutôt amusant. Une petite bataille de boules de neige, bonne idée. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas ri autant. Monsieur Chatouille et madame Bonheur passèrent le restant de la journée sur le toit à chatouiller tous ceux qui passaient à portée de doigts. Attendez un peu que je vous attrape et vous verrez. Oh, flûte, je suis désolé, madame Autorité. Non, ce n'est pas grave, monsieur Costaud. J'ai passé une merveilleuse journée. Je me suis bien amusé dans la neige. Et vous quatre, garde à vous. Je ne veux plus vous voir bouger quand je dis garde à vous. Vous aviez raison, madame Bonheur. Tomber dans la neige ne fait vraiment pas mal. Excellente idée, madame Bonheur. Vous ne devriez pas être déjà rentrée, madame Hortard. Ce n'est pas grave. On est bientôt arrivés. Mais j'ai tout mon temps aujourd'hui. À la fin de l'après-midi, ce qui pour certains avait commencé par une froide journée, se termina comme étant la plus joyeuse de toutes les journées au pays des bonhommes. Et cela grâce à madame Bonheur. Sans oublier monsieur Chatouille, bien entendu. Oh là, c'est qu'un petit peu de neige, madame Bonheur. Oui.
Le grand rêve de Monsieur Petit. Monsieur Petit, Madame Dodu, Monsieur Maigre et Monsieur Rapide sont très heureux. Ils vont à la fête foraine. Par ici, mes amis, vous verrez un numéro extraordinaire. Un véritable animal sur une scène, c'est formidable. Oh, youpi! Oh, j'adore ça! Je suis le plus fort, vous verrez. Ce n'est pas par ici, c'est par là qu'il faut qu'on aille. Venez faire un tour en auto-tamponneuse, Monsieur Petit. Ah, poussez-vous, c'est pour les grands, Monsieur Petit. Pauvre Monsieur Petit. Barbe à papa, qui en veut? Moi j'en veux. Et moi aussi. Et moi. Oh, si on allait voir ce numéro. Donnez-moi trois. Juste un bâton sucré pour moi, monsieur, merci. Il faut en avoir une toute petite. Oh, voilà une. Merci. Vous auriez pu attendre votre tour, oui, monsieur Rapide. J'ai été le plus rapide, madame Dodu. Vous êtes bien trop lente. Oh, est-ce que je peux en avoir une, dites, monsieur? Merci. Oh, délicieux. Et moi, vous m'oubliez. Quatre barbes à papa. Moi, j'en veux cinq. Pauvre monsieur Petit, personne ne prête attention à lui. Votre attention, mesdames et messieurs. Y a-t-il quelqu'un qui veuille défier l'homme le plus fort du monde? Qu'est-ce que vous attendez pour aller vous battre avec lui, monsieur Rapide? Je suis beaucoup trop occupé. Pourquoi ne pas envoyer monsieur Petit? Moi? C'est vraiment très drôle. Et si on allait voir ce numéro fantastique? Oh, une galerie des glaces. Quelle ligne, c'était pas tant. Oh, que c'est drôle. Moi, je ne trouve pas ça drôle du tout. C'est pour les grands, les auto-tamponneuses, monsieur Rapide. Barbe à papa, qui en veut? Barbe à papa, qui en veut? Donnez-moi la plus grosse, la plus grosse jamais faite. C'est super d'être le plus grand de tous les hommes. Alors, toujours pas de volontaire? Y a pas un courageux ici? Vous n'êtes que des froussards. Il me fait pas peur, moi, ce grand galet. Oh! 3, 2, 1, partez! L'homme le plus fort du monde. Je vous engage. Alors, monsieur Petit, vous ne vouliez pas aller voir ce numéro? C'est bon de pouvoir rêver. 4 billets. Désolé, mais il n'y a pas de représentation aujourd'hui. Le donateur est blessé. Moi, je peux le remplacer si vous le désirez. J'ai vu son numéro de nombreuses fois auparavant. Oh, monsieur Petit, vous êtes tombé sur la tête, c'est dangereux. C'est peut-être une bonne solution. C'est entendu, vous êtes engagé. Oh, les pauvres. On va bien s'amuser. Hop. Monsieur Petit, il est l'un des plus grands dresseurs de grenouilles au monde. Monsieur Petit est ravi. Il a toujours rêvé de devenir dompteur d'animaux sauvages et pour une fois, il a trouvé un animal à sa taille.
Monsieur Lan passe en tête. Cette année, Monsieur Lan ne veut pas manquer la saison de ski. Car voyez-vous, l'an dernier, la neige a fondu aussi vite qu'elle était tombée. Mais Monsieur Lan n'est pas le seul à partir à la montagne. Vous avez tous reconnu Monsieur Bruit, n'est-ce pas? Ainsi que Madame Beauté, Monsieur Malpoli, et enfin Monsieur Pressé, qui n'est jamais le dernier. Ah, dépêchez-vous, je n'ai pas que ça à faire, je suis pressé, plus vite. Appuie sur l'accélérateur. Je ne peux pas aller plus vite, mon bon Monsieur Pressé. La machine est lancée à fond. Vous ennuyez le monde, monsieur. Non, des gens comme vous n'ont rien à faire sur les routes. Arrêtez un peu de râler et avancez plus vite. On n'a pas que ça à faire, monsieur Malpoli. Monsieur Lan continue son petit bonhomme de chemin, lentement mais sûrement. À moi les descentes vertigineuses, les slaloms géants, les glissades en luge. Youpi! Ah, nous voici enfin arrivés, ce n'est pas trop tôt. Je commençais par trouver le temps long, chauffeur. J'espère que je n'ai pas oublié ma crème solaire comme la dernière fois. Mieux vaut tard que jamais. Bien le bonjour, monsieur Lan. Ah, bien le bonjour, madame Horta. Quelques heures plus tard, nos amis étaient toujours coincés. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour faire dégager la route? C'est incroyable! On se moque vraiment des usagers dans ce pays! 3 heures de soleil perdu! Toutes mes amies auront été plus bronzées que le mien! Ce n'est pas juste! Je dois être la plus belle! Chic! Pour une fois, je ne serai pas la seule en retard! Monsieur Lan, vous êtes vraiment là quand il faut. Poussez-vous, place au grand champion. Oh, ça va vite. Oh, ça glisse bien. Poussez-vous, j'ai pris le risque. Tout le monde s'amusait. Mais je vous demande un instant, que cherche Madame en retard? Ah, mais oui, elle attend patiemment Monsieur Lan qui n'est toujours pas arrivé. Une semaine venait de passer. Les vacances étaient terminées. Et devinez qui arrive à l'instant précis où je vous parle? Mais Monsieur Lan, les vacances sont terminées? Merci, oh merci, il n'est pas trop tard. Mais que voulez-vous dire, monsieur Lan? Tout le monde est déjà reparti en ville. C'est vrai, mais c'est la première fois que j'arrive avant la fonte des neiges, madame en retard. J'ai vraiment fait très vite pour une fois. Bon, si on pensait à rentrer à la maison... Ce sont les plus belles vacances que j'ai jamais passées. Passez devant, madame en retard. Je vous en prie, après vous. Je ne voudrais pas vous retarder. Mais, monsieur Lan, je suis pas pressée, hein? C'est ainsi que monsieur Lan passa les meilleures vacances de sa vie. Non seulement il avait vu les montagnes enneigées, mais grâce à son amie madame en retard, il ne rentrerait pas le dernier à la maison.
Le paradis de Monsieur Bing. Savez-vous quel est le problème de Monsieur Bing? Il ne peut pas s'empêcher de rebondir. Bonjour, Monsieur Bing. C'est très gentil à vous de passer me voir. Oh, mais comment faites-vous pour vivre dans cette saleté, Monsieur Sale? Tiens, voilà Monsieur Farceur. Je me demande ce qu'il mijote. Regardez cette balle, Monsieur Grand. Oh, elle est fantastique, Monsieur Chatouille. Elle rebondit à merveille. Monsieur Bing, mais que faites-vous dans ce panier? Voulez-vous vous dépêcher et me faire descendre au plus vite? Oh, mais bien sûr, Monsieur Bing. Décidément, vous n'êtes pas présentable, Monsieur Bing. Voilà le petit Jimmy. Il va sûrement à la plage. Oh, il va sûrement à la plage. C'est une excellente idée. Il y a de la place pour rebondir là-bas. Désolé, monsieur, endormi. Oups, désolé, monsieur Glouton. Votre place n'est pas dans ce sac, monsieur Bing. Mais j'ai une solution à votre problème. Je pense que l'idée de madame Roche tout n'est pas si mauvais en soi. C'est ennuyeux de rebondir toujours au même endroit. Mais finalement, c'est moins dangereux, à moins que... Oh, bravo, Monsieur Bing. On doit bien s'amuser sur le trampoline. Mais où diable ai-je atterri cette fois-ci? Je me le demande. Monsieur Bing est ravi. Et saviez-vous qu'il n'y a que très peu de chances d'avoir un accident dans le désert?